que vous soyez, sachez qu'il est strictement prohibé de manger le riz sans sauce, car cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Oh, t'as prié sur Christo. Abraham, t'as tout le seul de monde, fais donc t'as là mon parrain à moi. Dinali Pato. Du pays. Sans qu'il faut acheter des voitures adaptées à nos routes. Parce que quand on arrive au pays, c'est pas évident. Les pneus sont tout abîmés là. Mais oh. Oui, Chan. J'ai oublié même de te dire, tu sais, je suis déjà trop stressée même. Avec les affaires que la baïrasse me dérange là. Tu sais que ça fait déjà 4 fois que tu viens au pays, non? Et je te parle d'un sujet, tu ne fais que tourner. Vraiment, le tout, c'est là. Il faut qu'on sorte de la location. Donc, il faut que tu arranges vraiment. Ça fait 5 enfants depuis, c'est trop. Il faut qu'on sorte de la location. Je suis fatiguée de ça, franchement. Franchement. Chérie, là, tu as raison et tout. Tu as pleinement raison. Tu as pleinement raison. Tu as pleinement raison. Tout ce que tu dis, tu as raison et tout. Tout ce qu'on peut faire là, c'est pour l'avenir quand même de nos enfants et tout. Et que la barrette t'embête de temps en temps, chaque fin du mois qu'il faut payer la maison et tout. Je pense à ça, chérie. Non, ne dis pas que tu penses à ça. Tu parles la même chose depuis. Je connais un papa là, il n'est même pas loin. Il est là à côté. C'est un papa sûr, il vend les terrains. Et présentement là même, il a besoin d'argent. Donc je te parle comme ça d'une chose très très sûre. Donc, vraiment, on gère ça là tout à l'heure. Là. Je ne veux pas que tu promettes encore, c'est trop long. Tu vois ça? Et tu trouves que ton papa là, c'est... Oui, oui. Il est sérieux? Je dis qu'il a même besoin d'argent. Là, 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 là. Le gars me lui frappe bien et c'est décembre. C'est un papa sûr. Ne t'inquiète même pas. Tu sais que je ne veux pas être confronté à une histoire où tu vas acheter un terrain. Ouais, et tu constates que le terrain a peut-être un propriétaire. Je dis que ne t'inquiète pas. Comme tu es allé au garage là, va au garage, on se prend dans 2 heures. Je pense avoir oublié le paquet de maman à la maison. Je vais aller lui laisser ça et puis on part voir le papa là. C'est pas trop loin. Tout à l'heure, non. Je vais laisser la voiture au garage et j'ai un ami à rencontrer en ville et tout. Comme tu vas chez maman là, faut pas que les gens sachent que je suis ouais, au pays. Pardon, tout à l'heure. On va pas trop. Faut pas que ce soit trop une publicité et tout. Moi, je. Tu me fais le bisou de côté, pourquoi? Je veux la centrale. Pas parce qu'on te parle d'argent que tu veux déjà. Tu me donnes la latérale comment? Allez, mets mon bisou là tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu penses qu'on se lève un matin comme si on expose les projets n'importe comment? Ouais, grande soeur. Non, tu sais, c'est pas un projet que je présente n'importe comment, grande soeur. J'ai pris le temps de mûrir le projet. Je me suis renseigné un peu de partout. Il sait qu'en ce moment même, il y a rareté de poulet. Donc, s'il te plaît, si on peut trouver une petite parcelle, moi, j'essaie même d'habiter à côté, juste à côté, je fais les poulets pour ne plus te déranger tout le temps. Tu vois? Attends, Dani. Tu sais, moi, je ne travaille pas en Europe. C'est compliqué pour moi. Et mon mari n'a pas d'argent. Quand toi, tu viens me sortir un projet de, je ne sais pas, il faut que je t'achète un terrain, il faut que je voie comment je vais arranger ta vie. C'est pas à moi d'arranger ta vie. Je sais. C'est pas à moi d'arranger ta vie. Je sais, mais quand même, tu ne peux pas revenir comme ça là. Et je continue aussi à vivre comme je vis là. Hein? Donc, regarde comme je suis un peu chocou. Je mets dans les belles chemises depuis que tu es rentré. S'il te plaît, je sais que c'est difficile, mais bats-toi quand même pour moi. Ok, je m'engage à t'acheter un terrain, n'est-ce pas? Ouais. Toi-même, tu as combien? Bon, c'est vrai que je fais quand même une petite tontine avec les gars là-bas en bas. Si ça donne, c'est 100 000. Donc, sur un terrain de prêt peut-être de 10 millions que je vais t'acheter, tu as 100 000 francs. Ouais, ma. C'est moi qui te dis, la manière que je veux gérer ça, tu seras très fier de moi. C'est moi qui te dis. C'est ça. Tu vois que même les petits-enfants, on va plus t'appeler à chaque fois en Europe, oh, on veut l'argent et tout. Le reste, là, je gère. Non, vous êtes toujours comme ça. Mmh. Ok, bon, tu as vu un terrain quelque part, alors à vendre, je ne sais pas. Bon. Que ça soit plus facile. Ce qui est sûr,
Ça, c'est un quartier en construction. On ne peut pas manquer le terrain quelque part. Moi, mais je veux m'atteler à trouver ça avant que tu ne voyages. On finalise tout. Ok, c'est mieux. Merci. Et Dani, je juge la tête de notre papa que si je m'engage à t'acheter un terrain, que moi, je m'engage à t'acheter un terrain et puis je construis ce terrain, si un jour tu m'appelles encore pour me demander quelque chose, on ne va pas s'entendre. Tu me et connais puis je te laisse la charge des enfants là derrière. C'est moi qui te dis. D'accord. Je ne peux pas blaguer. Je connais comment on souffre. D'accord. Hein? Je ne peux pas blaguer, je sais quand même les trucs que tu as fait pour moi. Tu cherches comment on va trouver un terrain et puis tu me dis, je vais t'en donner de l'argent. J'ai compris, merci beaucoup. On va manger, non? Et on va manger. La ressource alimentaire et la qualité et la quantité de nourriture que l'individu doit consommer chaque jour pour maintenir son poids et sa santé normale. Mais François Toto est allé consommer au-delà et aujourd'hui il souffre d'une indigestion chronique. Et bonjour la catastrophe. Pour ne pas être constipé, il contrôle les vos rations alimentaires. Et la saison des 105. Pourquoi? Je pense que c'est ici. Coco! Docteur! Appelle-moi! Père! Appelle-moi, maman! C'est nous, quoi? Hé! Bonsoir, papa. Bonjour, ma fille. Bonsoir, papa. C'est comment alors? Ça va très bien. Je te présente mon époux. Ah, époux, hein? Oui. Donc, Andrew, c'est ton mari? Oui, c'est mon mari. Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. Comment alors? Ça va. Nous sommes venus là, on veut un peu causer avec toi, quoi. On ne savait même pas que tu es à la maison, mais Dieu fait grâce. Ah, vous voulez causer avec moi? Hein? Oui. Amber? Hey! Ça tient, Diamo. C'est ton mari, hein? Oui. Comme mon mari, j'ai même la chaise ici dans la maison aussi, maman. Ah, on va se battre. Vous avez séché, non? Ah, merci, mon père, merci. Tu sais qu'avec ton poids là, mais toi, c'est le boubongembe. Tu peux casser ça, hein? Ah, papa, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais me battre, même ici. Je vais me battre. Chérie, ça va aller là-bas? Ça va aller, chérie. Je suis à la maison, je suis au quartier. Ah. C'est mon père, hein? C'est mon père. Si c'est ma fille au quartier, c'est ma fille. Mon nom, Toka. Non. Il y a un autre problème, maman. Non, pas, c'est que comme je connais que tu es un patriarche dans le quartier, tu vois, mon époux, nous, on voulait avoir un terrain. Et je sais que vers toi, on doit avoir la solution, tu vois. Ah, pour mettre le terrain? Oui, oui, oui. On voulait déjà acheter une parcelle là. Donc, tu peux nous guider comme tu le fais pour les autres, quoi. Mais, bon, la binda bonne, hombre. Tu sens bon, hein? Attends, chérie, j'ai mon téléphone qui sonne et tout. Allô, Samuel? Oui, je suis au pays. Je suis au pays depuis avant-hier. J'ai appris la nouvelle. L'enfant, le football camerounais va retrouver ses lettres de noblesse. De toutes les façons, je te rappelle, je suis un peu occupé. Je te rappelle dès que je... Félicitations déjà. Non, ça va aller. J'ai appris qu'Abdourahman veut déranger. Mais ça va aller. Tu es un lion quand même. Je te rappelle. Papa, je m'excuse. Hein? C'est le nouveau président de la FECAFOOT qui m'appelait comme ça, Samuel Eto'o. Maman, j'ai compris. Tu as dit que tu viens d'arriver. On sait en France, hein? Non, je suis en Espagne. Eto'o, c'est les petits qu'on a soutenus quand ils sont arrivés à... Wamba! Donc, vous cherchez le terrain, hein? Oui, papa, on cherche le terrain. Bon, tout ce que je voulais partir au village, non? Vous êtes venu tard dans le quartier ici, on a déjà tout pris le terrain. Mais si vous voulez, toutes les maisons ici, comme je n'arrive pas à mettre ça normal, mais sous mes pronoms, je vous vends ça, je pars au village. Ah bon, papa? Oui, je m'apprête comme ça là pour rentrer déjà au village. Je vous vends ça. Si vous voulez quoi, mon bon, je vous vends ça, je rentre au village. Non, il n'y a pas de problème d'argent. Hein, chérie, le père dit qu'il peut même nous céder la maison. Il n'y a pas de problème d'argent, non? Il faut lui dire. Vous cédez la maison? Oui, il peut nous vendre la maison, c'est ce qu'il dit. Donc, mon maison. Parce que par un bas matériau provisoire, moi j'ai déjà ma maison au village. Je passe seulement avec le peu d'argent là, je prépare ma retraite au village. Ah, donc vous voulez rentrer au village? Je veux rentrer au village. Non, c'est une occasion. Hein? C'est à ta occasion, mon bon, non? C'est une occasion à nous. Voilà. Il faut demander au vieux à combien il peut nous céder. Ouais, on ne parle pas pour Kungo, on ne parle pas les choses sur la terre sans boire quelque chose. Ouais. Mais papa, la bière, c'est un détail. La bière, c'est un détail. 100 gallons. 100 gallons, hein? Oui, tonton.
Ah. Vous tu n'es pas rapide. Bon. Ah, c'est votre fils là? Non, c'est pas mon fils, c'est que bon, c'est l'enfant de voisin. Ah, ok. Hein, c'est l'enfant de voisin. Il y en a rien pas encore. Hein. Bon, donne-lui l'argent, il va venir avec le casier. Ça va, jeune homme? Ça va, grand. Il y a un bar à côté là? Très sûr, grand. Ok, vous allez prendre. Voilà. Un casier. Voilà. Vous prenez un casier. Voilà. Vous essayez de mixer, hein? Hein? Vous allez garder la monnaie, hein? Merci beaucoup, grand. Voilà. Un casier. Non, vous voulez quoi? Non, on a dit un casier. Un vous casier. Essayez de mixer les. Merci. Vous ne pouvez pas. C'est un sou-là, hein? C'est un sou-là. C'est l'enfant là que vous voyez. Vous être très fier de moi quand vous allez construire ici. Vous tapez même trois niveaux ici. Merci. Vous comprenez, non? Merci, papa. Même le papa là, hein, c'est ce que je voulais construire quand j'étais encore un peu jeune homme. Mais j'ai compris que bon, la messe a dépassé les prêtres. Maintenant, c'est au village que ça me convient. Bonjour, non? Donc, vous prenez même les papins, là, cadeau. Donc, président Londa a tout ça. Ça va faire 400 mètres carrés. Ah bon? Mmh. C'est 400 mètres. C'est un diamant, ça, papa. Ouais, parce qu'il y a 10 millions même. 10 millions, c'est un cadeau à d'un. Bon, mais avant les 10 millions, pour faire les papiers, bonjour, non? J'ai un problème qui me tient à cœur. Si vous me donnez même 500 000 d'abord, je n'ai pas fait le problème de coutume au village. Il y a les coutumes, j'ai mes enfants que bon, les têtes, ils sont sous un jar là. Les têtes ne tiennent pas. Donc, vous me donnez d'abord 500 000. Je ne vais pas résoudre maintenant. Quand je finis au village, je viens maintenant. Comme ça, on établit tous les papiers, tout me donne le reste. Mais 500 000, tu vas enlever sur les 10 millions, hein, papa. Ah, ok. Ce n'est pas que tu me donnes seulement. Okay. Quand tu vas payer, tu enlèves les 500 000 sur les 10 000. Les 10 millions. Voilà. Mmh. Il a passé les 10 millions, vous ne pouvez pas enlever quelque chose. Ouais, ça. Papa, quelque chose qui est gratuit. Si je parle même fort, les gens comprennent, on va seulement venir me taper avant de payer. C'est parce que c'est ma fille, on se connaît au quartier. Hein? C'est juste. Le père ne peut pas donner un prix qui ne soit pas bon. Hein. Non, mets devant. C'est pour le père. Viva, où c'est nounou, hein? Tu vas voir la vin. Oui, grand. Sous-là. On va dire un beau soir, ta grosse soula pour vous. Voilà. Vous regardez nous, boy, vous voulez quelque chose? Bon, moi, je peux prendre un jus. Hein. Voilà, c'est comme ça. Vous, les gens, des héros. Merci beaucoup. Votre match, vous dites qu'elle n'aime pas boire quand il fait chaud. Ça va aller. Voilà. Papa, prends ma bouche. Ah, principe tard, principe mal, pour des tambours, que vous partez en Europe comme ça, vous venez toujours merci, nous regarder au Cameroun. Amen, merci le vieux. Amen, papa. Merci le vieux. Mais il est gentil, le vieux. Oh oui, c'est un papa adorable. Ah, ok. Nous sommes entre de bonnes là. Donc, papa, comme je disais là, je n'ai même rien pour fumer ma cigarette, je n'ai même pas un peu d'argent. Moi, je bombe, tu donnes quelque chose à ton enfant, hein? Parce que quand vous venez de l'Europe comme ça, vous avez beaucoup d'argent. C'est pas un problème, papa. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non, parce que tu as l'air d'être dur. Ou pas que tu ne me frettes pas, je donne le terrain ici à Landry. Non, papa. Je viens d'arriver, je m'entends de causer. Considère que l'affaire est conclue. Sangalon! Sangalon! Oui, papa. Viens ici. Donne 20 000, il part m'acheter un cartouche de cigarette. Vous fumez juste? Oui, un cartouche. Donne-lui 20 000. Chérie, donne. Ça va aller. Donne 20 000. Open doors ou non? Voilà. C'est mon enfant, hein? C'est lui qui me regarde quand je suis malade. Ah, okay. Donc quelque chose à lui. Pour lui. Un zombie. Il peut aller acheter la cigarette. Dépanne-le, papa. Un benguise n'est pas dur. Quand un benguise veut flatter, il n'est pas dur. Tu es trop dur. Tu as 1000 francs là-bas? Non. Je peux avoir 1000 francs, t'inquiète. Donne-lui 1000 francs. Donne-lui 1000 francs. Donc, je n'ai que les gros billets, papa. Attends, il ne mérite pas les gros billets. Tiens, mon père.
Tu es fiston. Je ne peux pas en train de parler. Non, non, laisse, laisse, laisse. Il ne mérite pas les gros billets. Bon, ça va, on ne vend plus la maison. Ça va, ça va. Non, non, ça va, papa. Non, rembourse ça. Ça va, papa. Rembourse. Oui, ça va, ça va, ça va. Tu es pour, c'est pour ton taxi, hein. Merci, merci, grand. Oulo, on gagne Mbemba. Ouais, on gagne. T'as un donné à quoi, bon, papa. Le vieux, ça va, ça va. L'argent, l'argent, c'est un détail. J'ai parlé, non? C'est que je suis à Paris, ça fait 14 ans. Hein? 14 ans? Les Landines, je crois, comme ça, ils sont en Angleterre, ça fait aussi beaucoup d'années. Hein? Oui, je vais ils en Angleterre. Ils sont partis quand ils avaient 18 ans. Je vais en Angleterre, de temps en temps, on voit les matchs de Manchester. De Manchester, de Chelsea. Chelsea. Avec Cristiano Ronaldo. Ça, c'est bien ça. Si un jour je pouvais me retrouver aussi à Manchester, comme ça, là, je regarde aussi le match. Je vois mon ami d'enfance. Tant qu'on vit, tant qu'on. Tchengue. Non, l'Angleterre, Chelsea. Tant qu'on vit, on a espoir. Il faut garder espoir tant qu'on vit. Chérie, c'est on vrai. Peut lui donner les 500 000 là et on y va parce que je veux encore aller voir ta maman aussi. Oui. Voilà. Oui. Pour 500 000, boum, je fais la coutume. Je finis ce match jeudi. Si vous me donnez l'argent, je pars au village vendredi. Comme ça, dimanche, je rentre au village. On passe seulement signer les papiers. Bon, papa, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, hein? C'est qu'en fait, c'est que quand on arrive au pays, quand tu sois avec l'espèce, tu vas dispatcher ça comme ça, de gauche à droite et tout. Ça, là, ça ne peut plus faire 500 000. Est-ce que c'est possible c'est... que je vous fasse un chèque? Donc d'abord, ça, là, tu fais encore. Chèque bas comme mon père. Non, c'est-à-dire, je vous fais un truc et vous allez en banque toucher. Et si j'arrive là-bas, on dit qu'on ne me connaît pas? Non, 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 papa. Non. Si vous arrivez là-bas, on dit qu'on, c'est moi qui veux le terrain. Mmh. Si on vous crée des trucs, c'est que c'est moi qui suis pénalisé. Ça là, c'est d'abord combien? Non, je vous fais un chèque une fois de 500 000. Ouais, papa! Donne d'abord ça là avant de faire maintenant les chèques, non, mon père. Papa, je vous fais un chèque de 500 000. On ne va pas tenir compte des ventes de cigarettes, le casier, ni les commissions que j'ai. Bon. Je fais le chèque. Fais alors. Mmh. Vous pouvez avoir un stylo? Stylo Mawo. J'ai laissé mon. Le big, papa, le big. Le big? Mmh. C'est comme si j'allais. Ma carreau, Big Ma. Ah, ok, je l'ai. Je suis un homme de l'école. Manga Sukui. Si il y a un stylo et puis je vous fais un chèque de 500 000. Ça, c'est pour aller en banque. Écrire, papa. C'est pour dire, je demande le stylo pour écrire. Ouais. Il n'y a pas les élèves ici chez moi pour le stylo. Si il y a un stylo. Oui, oui, c'est pour okay. Regarder la okay. Main. Ok. Ah, ok. Bon, le nom, c'est Jean Calagan. Wamba, pousse le nain, le corbeau et le nain. Maître corbeau, son arbre pêché tenait à son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur, à l'échelle, lui tient à peu près ce langage. Hey, bonjour, monsieur du corbeau. Sachez-vous que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc, je vais chercher ma maison. Et ça va, je vais vous donner la maison. Petit, petit. Madame, tu signes quoi? Prépare le terrain, il y en a vraiment pas un camion. Maintenant que je signe le papier sur le terrain-ci. Ah, Jean Calagan. Pardon, je suis un spectacle. Tout ça, c'est que tu prépares. Comme d'habitude, les rires. Bon, hein. Voilà. Je vais les montrer. Ils aiment. Pour le terrain, non? Ils aiment acheter le terrain. Quand décembre arrive comme ça, ils aiment le terrain. Ils aiment acheter le terrain. Les benguistes de terrain. Ils vont me comprendre. Je vais puiser l'eau que sur eux ici. Vas-y, tout ça. Bon, papa. Hein? Comment tu sais là? C'est ma grande soeur. Hein? Et elle vit en France. Hein, elle vit en France. Oui. C'est votre saison maintenant, hein? Tous les gens qui sont en France maintenant, ils sont toujours là. Oui, oui, oui. Hein? Bon, on avait un souci, pater. Le problème, c'est quoi? Il faut parler vite, papa. Mm-hmm. Bon, ma grande soeur et moi, on a réfléchi qu'il nous fallait un terrain. Elle m'a demandé de me renseigner. C'est pour ça que je suis donc venu avec elle. Tu as appris les nouvelles que je vais à mon terrain. Voilà. Avec la maison, c'est ça. Oui, papa. C'est pourquoi tu es venu. Oui. Ça, c'est très bien. Mais j'espère qu'elle a l'argent, hein? Parce que je n'aime pas les choses des enfants. Ma kakok joue peponko. Si elle a vraiment l'argent, tu me dis. Non, elle a l'argent. Elle a l'argent. C'est le terrain là ici. C'est le terrain ici, mamie. Hey, c'est grand, hein? Gagne-toi, Mbanda. Ça commence, je sais pas, Dieu. Ça vient finir ici là. Mbanda. Voilà. Et c'est combien le mètre carré?
C'est 450 mètres carrés. 450. Oui. Ok, mon père, donc... Manuka moins cher, si ça vous convient, 5 millions. 5 millions? 5 millions. Attends, mais vous nous vendez un terrain dans le quartier comme ça, 5 millions? Ouais, maman. C'est mon fils. Attends, même là, alors même c'est votre fils, vous savez que ça doit être même bien. Dans le quartier, 5 millions. Et puis vous dites encore que c'est votre fils. C'est mon fils. Il faut réduire. Mais je ne prends pas l'argent maintenant. Hein. Si on s'arrange bien, hein? Si on s'arrange bien, je vais vite parce que j'ai mon fils qui est malade. Non? Hein? Ngassa est en train de mourir. Ngassa est en train de mourir. Aïe, aïe, aïe. Donc, même si de façon urgente, si vous me donnez l'argent aujourd'hui, vous me donnez même 250 000 ou 500 000. Maintenant, je ne vais pas d'abord donner à l'hôpital pour Ngassa. Comme ça, je finis à l'hôpital avec Ngassa, je reviens avant qu'on signe les papiers. Comme ça, vous me donnez. Mais en donnant, vous allez retirer les 250 000. Hein. Ok, ok. Voilà. Ce n'est pas que vous me donnez gratuit. Ok, voilà. Vous me dites, non? Oui, papa. Voilà. Tu dis que c'est ton père. Hein? Oui, c'est mon père. On a grandi. On savait dit que si on achète le terrain, il s'en est assuré. On est assuré. Nous, vous êtes assurés. Est-ce que même moi, je suis pas un enfant? D'accord. Donc, on va gérer avec lui. Voilà, merci, maman. C'est parce que mon fils est malade que je vends vite. Non, il n'y a pas de donc, problème. Donc, pour le moment, on va couper son pied. On a dit qu'on a fait le garrot ici. Le serpent là a mordu. Le serpent là a mordu. Donc, on va faire le garrot. Pour Onga, il faut beaucoup d'argent. Donc, de façon urgente, pour 250 000. Comme ça, je pars vite, je donne à l'hôpital. Maintenant, je prends les papiers de la maison. Je viens. On discute. Mais en donnant les 5 millions, vous retirez moins de 150. Non, il n'y a pas de souci, papa. Hein, maman? Il n'y a pas de souci. Voilà, maman. L'exemple vaut mieux que la leçon. Okay. Donc, papa, donc, je voudrais que j'aille avec lui. Non, je m'en vais avec lui là maintenant. Il va revenir maintenant. Avec lui, hein? Oui, il revient là maintenant. Ok, je t'attends alors. Okay. Parce que vous me donnez seulement, je pars une fois. Il n'y a pas de je problème. Je pars une fois pour on le soigner. On n'a même pas pour une heure de temps. D'accord. On revient, ma tête. Ok. Merci, maman. Ouais, maman, merci. Ouais. Pour que ce soit un terrain, il y en a. Vous allez acheter. Toc toc. Bonjour. Bonjour la mère. Oui. Nous cherchons papa Moussa Jean Caladan. Papa Moussa Jean Caladan. Oui, oui. C'est oui. Pourquoi exactement, s'il vous plaît? Bonjour jeune homme. Bonjour tonton. Papa il est où? Non, papa n'est pas, il est sorti. Il est sorti ou bien il a mangé? Papa n'est pas là. Mais comment ton papa nous tourne comme ça là? Vous tournez comment? Vous êtes au volant de la voiture? Ah, c'est pas possible, chérie. Ça commence à fatiguer cette histoire. Vraiment. C'est quoi exactement le problème? C'est le domicile de Monsieur Moussa Jean Caladan ici, non? Bien et belle. Ok. On a traité un deal avec ton papa. Tonton, deal veut dire quoi? On s'est arrangé avec lui. On s'est arrangé pour la vente de cette maison. Et on a avancé une somme de 500 000. Nous sommes là présentement pour finaliser les documents. Pour finaliser les papiers. Tonton, je n'ai pas bien compris. Vous prenez un peu. Vous faites quoi? Un jeune frangin me fait répéter. Je ne suis pas à l'école. J'ai dit qu'on a traité un deal avec votre papa pour la vente de cette maison. Et il a perçu l'avance de 500 000 sur une somme de 10 millions. Et nous sommes là pour finaliser le reste des papiers. Donc, comme ça, vous voulez acheter la maison familiale? Pas la maison familiale, jeune homme. La maison de M. Moussa Jean Caladan. Monsieur, chut, je vous fais comprendre que cette maison, c'est une maison familiale. Mais ce n'est pas à vendre. Le petit, est-ce que je me fais comprendre? Il veut faire l'insolence, hein? Puisque tu parles, il fait... Chut. Merde. Mais attends, donc ton papa, il savait que ce n'était pas à vendre et il nous a pris 500. Donc comme ça, vous voulez acheter notre maison familiale. Non, pas la maison familiale, la maison de M. Moussa Jean Caladan. Je vous fais comprendre que où je suis à présent là, c'est la maison familiale et ce n'est pas à vendre. C'est la maison de son papa? Oui, que j'ai dit la maison familiale, vous ne comprenez pas le français. Mais ça veut dire quoi? C'est sa maison, non? En fait, il a déjà commencé à nous vendre cela. Il est où? Chérie, si tu vas entrer dans les détails, on va lui faire comprendre que ton papa a perçu une somme de 500 000 plus 20 000 francs. Monsieur, de... je ne peux plus rien comprendre. Allez. Thank you. Oh. T'as dit quoi? Non, je suis là. Il y a quoi là? Il y a quoi avec les gens, c'est toi? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Mon ami, comment tu vas? Ça va, allez.
Vous allez suivre, hein? Suivre quoi? Suivre quoi, frangin? Je dis que je suis à pouvoir ton papa pour financer les papiers de la vente de cette maison. Monsieur, s'il vous plaît, ne me parlez pas comme pas, ça, mon ami. Calme-toi, c'est quoi? Ah, c'est une question d'argent, hein. Ne viens pas avec le. C'est une question d'argent. Demandez ce qui se passe. Cette maison. Avant de prendre des interventions à la con, là. Je suis pas là, l'argent, Jean. Non, je ne te mets pas, je ne te regarde pas. Je suis dépassé, mon frère. Cette maison nous revient. Bonsoir. Madame, s'il vous plaît. On veut voir ton père. Mon père n'est pas là, c'est pourquoi, s'il vous plaît? Ton père n'est pas là. Mais il parle anglais. Mais ton maman, juste que tu étais malade, non, mon frère? Il a juste que tu viens de ton pied à Doha. Non, non, quand je suis aguerri. Je suis aguerri, ça va déjà un peu. C'est lui qu'on a dit que. Oui. Avait des problèmes coupés, problèmes oui, c'est mon ami. Oui. Ça va déjà un peu. Attends, on veut voir ton père. Mais dis, mon père n'est pas là, maman. On veut remettre le reste d'argent pour la maison. Le reste d'argent. Madame, quel reste d'argent pour quelle maison? Il a deux maisons. Hein? Voilà, voilà. Quand tu as quelque part, tu trouves les gens en train de. Regarde, frangin, je vais te dire quelque chose. Hein. Oui, non. Celui qui est pressé d'avoir un enfant. Donc, dis... comme ça, vous êtes beaucoup pour acheter notre maison. Hein. Hey. Je t'ai. Chut. Hey, ce petit insolent, hein, chérie. Je te rappelle qu'à 21 ans, on est majeur. Tu as compris? Donc, tu vas aller te chercher. Il ne veut pas t'asseoir sur le bien, ton père, tu dis qu'à maison familiale. Tu sais ce qu'on appelle maison familiale? C'est pas possible. Vous lâchez la maison, si. On a déjà acheté cette maison. Ok, moi, je vais vous donner l'immeuble. Vous avez compris, non? Comme ils sont en train de vous parler là. Comme j'entre là. En ressortant, si vous êtes encore là. Hein? Ouais. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le punk pour. C'est mon combi, c'est mon nom. Ok. C'est ça, mais tu m'as mis dans quoi comme ça là? C'est pas possible. Hein? On va bouger. Abimlos, on va bouger ça. A Royal, on va bouger ça. Elle a même laissé le talon. Voilà. Aïe! Donc toi tu es encore là-bas? Ouais, mais... Bonsoir monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, hein, excusez-moi, je cherche un monsieur. J'oublie son nom, excusez-moi, j'oublie son nom. Calagan, excusez-moi, c'est Calagan, Calagan. Ouais, il est là? Non, 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 monsieur Calagan n'est pas là. Ça fait deux semaines qu'il n'est plus là. Il est absent. Ça alors. Ça fait environ la cinquième fois que je viens ici. Nous avions eu un arrangement selon lequel il devait me vendre ce terrain. Il devait me céder ce terrain, oui, pour un montant vraiment très, très important. Et je l'ai avancé déjà 500 000 et il m'a fait comprendre que, voilà, je l'ai fait un avancement de 500 000. Et il était question que je revienne pour qu'on finalise pour les papiers du terrain. Grand, vous pouvez attendre même un an. Vous savez, les rites de la notabilité africaine peuvent vous durer même un an. Ben, donc, patientez seulement. Ben non, qu'est-ce que j'en ai à foutre avec la rite de notabilité? Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est les papiers de mon terrain. Patientez seulement, grand. Patientez. Mais il a l'habitude de faire des choses comme ça? Je ne sais pas. Ben non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je suis tellement mais précis. Vous avez une indication quand même de quand est-ce qu'il reviendra? Je ne sais pas, grand. Je ne sais pas. Je suis précis. Et vous habitez là? Vous habitez là par... Oui. Excuse-moi, monsieur. Excusez-moi. Papa, vous me remarquez? Ah, c'est toi, Landry, non? Ah, vous remarquez le nom? C'est toi, Landry. Comment, ah. Papa? Oui, donc vous êtes là? Je suis... Et on m'a fait comprendre que vous n'étiez pas là. Quoi, j'étais où? Donc, je ne sais pas qui, là, il m'a fait comprendre que vous étiez au village. Mais je n'étais pas au village avant de venir, non. Tu ne sais pas que je suis notable. Ok, bref, tu es Même maintenant, je peux rester devant toi, je me retrouve au village. Ok. Il a raison. Okay. Je pars seulement le matin, le soir, je reviens. Même faire, non, je m'envole. Ok, bon, maintenant que tu es là, tu te rappelles quand même de l'accord que nous avions eu? Ah, pour le terrain. Ah oui, ok. Ah, c'est pour ça que tu es là. Il était question qu'on se rencontre, non? Oui, oui. C'est pour tes 500 000 ou bien c'est pour donner le reste? Donc tu sais exactement que c'était 500 000? Papa, est-ce que j'ai nié? J'ai nié. Ok. Le problème maintenant, hein, oui. C'est que j'ai regardé où on a gardé les papiers de la maison. Oui. Mes enfants ont refusé de me donner. Et ils ont dit même que c'est une maison familiale, ce n'est pas à vente. J'ai tout fait. Mes enfants ont dit que si je vends, ils vont récupérer. Mais tu savais que c'était une maison familiale, mais quand même, tu me l'as vendu quand même. Papa, est-ce que j'étais vendu? J'ai seulement dit que tu me donnes d'abord 500 000. Je n'ai pas à résoudre le problème avant de venir. On fait les papiers, nous.
Bon, là maintenant, on fait comment? Soit tu me remets mes 500 000 si ce n'est plus une maison à vendre. Soit, bon, voilà. Vous, les mbenguistes aussi. On finalise quand avec vous les venez, quand vous venez au Cameroun, vous venez seulement tromper vos parents hein, pour prendre tous nos terrains. Hein. Donc, vous pensez que nous, on n'a pas aussi les enfants qu'on peut aussi leur laisser le terrain? C'est que 500 000 qui t'intéresse? C'est le terrain qui m'intéresse. Bon, ok. Bon, si le terrain ne peut pas être vendu, forcément, on procède à un remboursement. D'accord. Simplement. D'accord, j'ai compris, papa. Laisse-moi sortir d'abord du lac, d'ici peu. Il y a un agent là que je sors du lac et je te rembourse. Pour le moment, si tu veux seulement l'argent, c'est que tu vas seulement me piler dans le pilon pour que je me transforme en agent. Bah, tant de la queue, ben, je n'ai même plus 5 francs. Et si ça ne t'intéresse pas, il y a la gendarmerie de Ndokbong là-bas. Tu pars à la gendarmerie de Nkoulou. Ou bien tu pars, tu vois le procureur de la République. Si ça te dépasse, tu traverses, tu pars même chez Evezo, tu te plains. Monsieur, vous ne connaissez pas le niveau de mes relations. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire, ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est tout comme ça, voilà. C'est comme je vous le dis. C'est tout. Tout ce que j'ai besoin, soit vous me remettez mes 500 000, soit vous, voilà, vous me cédez ce terrain. Comme on a conclu. J'ai compris, papa. Voilà. J'ai compris, tu comprends, non? C'est le seul mot que vous pouvez dire. Mais quoi? Si on ne fait pas comme ça, on va manger les gens. Comme d'habitude, les rires.